Donc là, nous sommes bien entendu sur les plages naturistes de Montalivet. Donc je vais être extrêmement vigilant sur les prises de vue. On va aller découvrir ensemble les vestiges des bunkers. Ah, c'est la première fois que ce bunker se trouve en partie en lévitation avec l'érosion. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. J'en profite aujourd'hui qu'il n'y a personne sur la plage pour vous montrer l'intérieur d'un bunker. La corrosion au fil des années donne des couleurs incroyables à l'intérieur. Les couleurs, les oxydes. Le temps qui fait son travail. Énorme bois flotté. Nous avons vu réaliser cette œuvre l'année dernière, mais elle commence déjà à se dégrader. C'est bien dommage parce que elle était vraiment magnifique. Petit à petit, les vagues viennent à bout.
de ces monuments du passé. L'acier rongé par le sel au fil des années. Ferrugineuse s'écoule de la dune en déposant ses particules pour former cette couleur. Telles des stalactites se forment goutte après goutte, reflets rouges prenant une couleur bleutée au soleil. Ici, il est important de respecter cette flore qui a dunes. C'est la première fois depuis qu'on vient qu'on voit ce genre de spectacle, on va appeler. Il paraît que c'est de l'alios.